le qui pose de Kaibi. En vrai, je pense que ces bans là, c'est vraiment des bans pas parce que ils connaissent leurs adversaires, mais plus pour Question stratégie. question de stratégie. Dokkaebi c'est chiant, donc on la vire quoi. Ouais, Et je Zid peux aussi. comprendre. Ça fait des problématiques déjà? C'est ça. Rider 5-2 SVG. Ok, Zortex qui renforce l'américain. Et Doc qui renforce les deux murs qui mènent à la chambre. Couloir américain du coup. Ah! Under qui prend des lignes. Under qui prend une ligne, qui attend. Finalement, T-pose Ness qui passera sur le toit. L'impression qu'ils ne sont pas encore organisés, genre qu'ils attaquent un peu en mode. C'est ça. Bon, si, finalement si. Le pré-shot qui ne passera pas, T-pose Ness qui a pris quelques balles. Under aussi, bien low, mais vu que c'est un doc, pas un flash qui passera à côté. Ça, c'est vraiment un truc qui peut jouer défaut aux attaquants, hein, de louper leur flash comme ça et tout. C'est ça. Pré-shot, tir de suppression pour essayer d'effrayer l'ennemi, mais. Voilà, ma kill Under. Niki Peut-être drone. un droit de péter, Valider le pré-shot! Qui passera pas, Dortex qui garde une ligne sur la fenêtre. Pré-shot! Bien joué de la part Le d'Ender. pré-shot qui aura eu raison de Waluigi. Et la tête qui passera pas, qui ne passe pas, les balles qui passent à côté. Under qui esquive les balles. Ah, bien joué de la Et part de Zortex qui fera Sortex. le deuxième kill, qui viendra sanctionner T-pose Ness à cette fenêtre. T-pose Ness qui ne s'attendait sûrement pas à voir Under décalé depuis l'étagère. Côté de la SVG, ce sera pour un Under, ce sera un petit Warden. Vortex qui reste sur son Jaeger. Du côté de T-pose, ils ont totalement changé leur setup. Ils vont prendre totalement leurs agents. Ce sera un Ying pour Waluigi et une Ibana pour Sortex attend ses adversaires. Ouh, et T-pose Ness qui va tomber et la suite Waluigi, hein. Comme des dominos, ils sont tombés hein, sous les balles d'Under. Under qui a fait un Exactement. beau bac. Non, j'ai l'impression qu'ils sont pas très très bien organisés. Ils ne perdent pas leur bac. C'est Du mal un peu brouillon tout ça. Ouais, du côté de l'équipe ils ont un peu du T. mal. Ils ont du mal. Ils ont du mal. Mais Under fidèle à lui-même, hein, qui ne laisse pas ses adversaires On est à combien? 3 kills pour poser. Under, Hein. 1 kill pour Ouais, 3. Sortex. Sortex qui prend avec une ult intéressant. Intéressant. Under sur un Capitao. Ça, ça peut être sympa. Sortex qui garde les bacs, contrairement à T-pose qui eux ne gardaient pas leur bac. Un peu de face check du côté de Under. Un peu de face check. Loading dart. La petite smoke. Le petit pré-shot qui ne passera à côté. La petite pression. Et le pré-shot! Et le pré-shot qui passe à côté! Under va tuer quelques balles. Et Zartex fait tomber Waluigi! Et Zartex fait tomber aussi Ness. Bah, c'est très rapide hein, quand même, hein. C'est très très rapide, hein. C'est très très rapide, hein. Ça se joue en quelques secondes. Y a Dans Team quelques T-pose secondes. qui n'a rien pu faire. Qui n'arrive vraiment à rien face à la sauvagerie. Oh, ça peut être intéressant. Très très similaire à la compo de la SVG à leurs deux premiers rounds d'attaque. De défense, je veux dire. Bah, ils ont pris. Zortex il prend les infos. Zortex il prend les infos. Il a déjà eu l'info sur sur le Jaeger. Laisse qui vient de casser petit la tour crâne. de suppression.
crois bien que le Doc. Doc va faire du tout. Ça va des smoke. Il rentre sur le site. Hunter rentre sur le site. Hunter qui a fait tomber le Doc. Hunter qui a fait tomber le Doc. Hunter qui a fait tomber le Doc. Laisse un peu sous pression. Et Ness qui va tomber sous les balles d'Hunter encore. Ah, on est déjà à 4-0. Hein. On est déjà sur un 4-0. Hein. Mais les SVG qui n'ont pas l'air inquiétés, Zortex qui s'en sort Kavira. Zortex qui a l'habitude de rester sur site, mais là, je pense que c'est les 4 manches de. Les 4 manches d'avance qui lui fait faire un peu de zèle, je pense. Je pense qu'il y a moyen. Et le fait sortir. C'est-à-dire qu'il reste. Ah, il ne passera pas. Il ne passera pas. Y'en a qui va tomber sous les balles d'Under. Tiposnes qui tombe sur les balles d'Under. Waluigi qui vient au niveau de l'escalier. Mais Under n'y est déjà plus. Zortex n'y est déjà plus, je veux dire. On pourrait voir comment Waluigi joue. Tu peux passer sur Waluigi? Waluigi qui lâche du pré-shot, mais. En vain. Il va tomber sous les balles de Zortex et c'est une victoire du coup de la SVG 5-0. Match très rapide. Très rapide et remporté aisément par la SVG. Exactement. Sécurisation de zone. Coastline. Donc littoral. Donc, qui commence en défense cette fois-ci? C'est toujours la SVG ou c'est. Non, toujours la même team. Ok, donc ok. Tu poses en attaque et SVG en défense. Donc, même phase de ban identique à celle de la map précédente. Voyons voir ce que. Capitao qui était ban. Jaeger Capitao aussi. Intéressant, Jaeger aussi, oui. Intéressant. On va voir comment la SVG va réagir à ça. Je pense qu'Under va jouer un Doc pour la première manche, je pense. Ness qui prend H. Zofia pour Waluigi. Deux joueurs assez similaires. Castle pour Zortex. Et Echo pour Under. Echo qui peut être très très monstrueux dans les mains d'un Under. Hein. Under qui sait jouer son Echo. Hein. Qui sait jouer son Echo. Il peut être redoutable avec le Echo. Du coup, étant donné que notamment en sécurisation de zone, ils vont pas faire une défense étendue. Du coup, ils renforcent les murs entre la Chica et le Bia. C'est pas con en soi. C'est pas con. J'espère que ça va pas leur jouer défaut. Ils sont pas enfermés eux-mêmes à. On va faire ça. Il devrait au moins breach une frappe. Un transit. Voilà. Non. Ah non, Zortex qui. Question de pas. Qui laisse pas du tout d'ouverture. Hein. Qui laisse pas du tout d'ouverture. Ah, qui pète un mur. Et qui pète un mur. Pète un mur. Ça peut leur offrir une très grosse ligne sur le site. Hein. Si cette ligne est prise, se mettre en place. Le fait yeah. La tête qui passe sur Zortex. Mais Waluigi est très low, ça lui a coûté pas mal de points de vie. Donc H qui va droner sur. Waluigi qui se crée des lignes, qui lâche des petits pré-shots. Les balles et il va tomber sous les balles de Under. Sur les balles d'Under. Petit pose net qui vient à la revenge. Qui va à la ligne. Et la décale oh. Et Under qui va finalement prendre la vie de Ness. Je pense que Petit pose net s'est fait surprendre sur cette décale. Il y a moyen. Bonne question, je t'avoue. Pourquoi les avoir flash si c'est pas pour pick après? Ouais, ils ont un peu de mal. Ah. Ouh, Zortex par le trou. Waluigi qui tombe.
La sortie de Under. Zortax qui fait des gros tirs de suppression. Je pense que Zortax est de quelque chose. Petit pré-shot. Le pré-shot qui a failli connecter sur Under. Ouh, le pré-shot à travers la fumée de Under qui fait tomber Ness. Tu poses hein, parce que poser un ying à la fenêtre sans le pic, ça ne sert strictement à rien. Du coup, la typose qui va jouer Tull avec Rook et on va voir ce que ça peut donner. Under qui a sorti la Finca. Faut pas qu'on risque de prendre pas. Et c'était qui va faire tomber Walloging et qui va aussi faire tomber le Rook hein, au niveau des toilettes. C'est très très rapide hein, c'est... Déjà 3-0 pour la SVG, ah, déjà 3-0 pour la SVG, c'est terrible hein, la typose n'arrive pas hein, c'est vraiment, c'est... comme le match précédent, c'est à sens unique hein, ça va qu'en faveur de la SVG hein, c'est dommage. Et rappelons bien que si la SVG gagne, il n'y aura pas de troisième map, ce sera une victoire de la SVG. Il se passera au tour suivant. 14 spectateurs pour le live, intéressant, 14 spectateurs. 14 spectateurs, pardon. Let's go, man. Prise en rappel de Buck, donc Under. Et le pré-shot. Si le pré-shot encore même endroit, t'as pas la tête du Echo. L'Echo qui prend des balles. Non, attendez. L'Echo qui prend des balles, l'Echo qui s'allonge. L'Echo qui s'allonge. Si lui time une grenade. Ah non, Buck a perdu ses grenades. Buck a perdu ses grenades. Et le pré-shot. Echo qui n'a pas réagi. Qui n'a pas réagi à l'insertion de Zortex dans la trappe. Ah si, il a quand même tiré, mais il a pas touché. On est presque dans les temps. Hein. Un match qui dure minimum 42 minutes, on est presque c'est dans ça. Les temps. Vortex qui sort. Le pré-shot qui ne passe pas. Le spawn kill qui aurait pu faire très très mal. Hein. Ouh. Les joueurs qui suivent des balles. Les joueurs qui suivent des balles. Vortex qui va peut-être. Vortex. Waouh. Quelle manche. Ils ne sont même. Quelle manche. Ils ne sont même pas rentrés. Mais. Quelle insolence de la part de la SVG. Quelle insolence. 5-0. Vous ne rentrez même pas. C'est une victoire parfaite de la part de la SVG. Les deux maps pendant, c'est très très sale. Vraiment au verdict, très très sale. Vraiment désolé pour la typose next. Pour la typose.